Eh bien, salut tout le monde, c'est le Thomas Epon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ICIS. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer le plan. Car au dernier épisode, on a vu, c'était vraiment. C'était un peu l'épisode où il y a vraiment tout qui est parti en catastrophe. Le grand vortex, l'assaut en ville, l'assaut sur le village d'Ereda. C'était vraiment une grosse catastrophe, tout ce qu'il y a eu. Et donc, ce que je vous propose, bah, c'est même pas ce que je vous propose. Hein. Ce qu'on va faire, et ben, on va aller sauver les Reda. Mais tout d'abord, bon, j'ai besoin de ma viande. Donc voilà. Oui, oh, je me suis trompé. On va t'acheter de la viande de faisan au max. Quand même bien se préparer et on va ordonner l'assaut, enfin l'assaut, le plan d'être exécuté. Voilà. Quand nous aurons lancé notre attaque, il sera trop tard pour s'arrêter de faire les emplettes. Tu es prêt? Oui. Parfait. Dans ce cas, que la réunion commence. Oui. Nous devons décider quand inviter l'amiral à Garrès. J'espère que ça laguera pas trop parce que j'ai l'épisode. J'ai un autre épisode en cours de rendu ici. Je me demandais ce qu'ils voulaient. Ils veulent en fait m'inviter à un banquet. Je pourrais me faire beaucoup d'argent sur le dos de ce crétin, bien plus qu'en revendant ses esclaves même. Quelle attitude louable de la part d'un marchand d'Altago aussi avide d'imprudent. Bien, nous partons dès maintenant pour sa résidence. En êtes-vous sûr? Le commandant Hers n'est pas encore rentré. Il est toujours en train de chasser ses sous-hommes. Laissez-le faire. Il s'est proposé de lui-même. En tout cas, pas de chance pour lui. Il va rater ce somptueux banquet. Je pense qu'à sa place, j'emmènerai Elisabeth. Vous êtes sérieux? Je plaisante. Après tout, Elisabeth a le devoir important de surveiller ma chambre privée. En tout cas, je verrai à lui ramener des Picards lorsque je reviendrai du banquet. Une dizaine devrait lui suffire. Soldat au rapport, Votre Excellence. Les troupes gardant l'entrée du nord de la ville ont été attaquées par un groupe de rebelles armés. Nos troupes sont maintenant en train de répliquer. Quoi? Qui ose défier le tout-puissant Empire romain? Serait-ce les derniers de ces maudits sous-hommes? En vérité, messire, vous avez vu juste. Mais il semble que d'autres soient venus leur prêter main-forte. Nous pensons qu'il s'agit de pirates. Maudit soit ces vermines de pirates. Pirates! Ne nous dites pas qu'il s'agit de la Doc, de la Borgne et de la Tresse Maris. Je pensais qu'ils seraient engloutis par le grand vortex. Ils devraient pourrir au fond de la mer. Jamais je n'aurais pensé qu'ils survivraient. Bien, dans ce cas, que mal peuvent bien faire ces pirates sur la terre ferme? Mobilisez les troupes et anéantissez immédiatement la faction rebelle. Vous pouvez tuer les pirates, mais ramenez-moi ces deux hommes en vie. Que tout ceci soit réglé à mon retour du banquet. On dirait qu'ils s'en vont, exactement comme on l'avait prévu. Adol, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on monte à bord du navire. Pas de soucis. Mais attends-moi, attends-moi. Ah là là, les femmes. Jamais attendre leurs hommes quand il faut. Hein. Flotte impériale romaine. On n'a pas beaucoup de temps, on va devoir agir rapidement. On dirait que deux navires seulement sont amarrés dans le port. Celui-ci est le navire du commandant. Les Reda doivent être quelque part sur l'aide de ces deux navires. Séparons-nous pour les retrouver.
À tout à l'heure, pas de bêtises, hein. Te fais pas capturer. Pas de soucis. Bon, on va d'abord aller fouiller dans ce navire. Bon, ça ne sert à rien de fouiller les chambres. Il me semble qu'à mes souvenirs, elles sont toutes vides. Il n'y a vraiment rien, aucun coffre, rien du tout. On va d'abord aller en bas. Seulement voir ce qu'on peut trouver. Un coffre. Coffre fermé à clé. Ouais, pas utile. Ah, qui êtes-vous? Vous? Hein, Adol? Qu'est-ce que c'était? Petite crapule, maintenant vous avez un problème. Ouais, toi aussi. Hop, allez, au revoir. Bien, Adol à la rescousse. Waouh, vous êtes trop fort! Youpi, vous êtes venu nous sauver. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Ça va, hein? La cellule est fermée à clé. Oups, on dirait que quelqu'un y est arrivé avant moi. Quoi? Tu n'arrives pas à trouver la clé des cellules? Hé, aucun problème, laisse-moi faire. Chut, ne le dis à personne, hein. C'est le clan Ibur qui m'a appris ça. Aucune serrure ne peut me résister. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Elle va avoir une porte, waouh. Soyez remerciés, jamais je n'aurais cru que quelqu'un viendrait à notre rescousse. À notre secours, pardon. Je sais. Alma soit louée. Je vais au moins devoir vous remercier. Abandonne un petit peu ton côté un peu mystérieux pour bien nous remercier, hein. Quand même. Une seconde. Vous ne savez pas où se trouve Ola et Isha? Je ne les ai pas vues, mais... Pourquoi est-ce qu'elles ne se trouvent pas dans la même cellule que vous autres? Elles ont été emmenées par ce gros type, celui qui fait gni quand il rigole. L'homme aux cheveux longs était là, lui aussi. Celui qui ricane en faisant gni. Oh, c'est Amiral Agueres. J'imagine que ce tordu garde ses favorites pour lui. Mais oh, c'est dégueulasse, quoi. Cette vermine d'Hérésien va le payer de sa vie, s'il fait du mal à une d'entre elles. Nous devons trouver un moyen de les sauver. Désolé, mes autres, vous partez d'ici. Adol et moi continuerons à chercher les deux autres. Attendez un peu. Elles sont la fierté des Radas. Nous ne pouvons simplement les laisser au sort des mains des deux Hérésiens. Reda ou Hérésien, qui peut bien se préoccuper de qui vous êtes dans ce moment? Tôt ou tard, les Romaines vont comprendre qu'ils ont été bernés. Et inutile de vous dire que quand ils se rendront compte, ils vont nous rechercher et nous tuer. Grrr. Eh bien, vous avez sans doute raison. Nous n'avons pas le choix. Quoi? Vous êtes certain, Ur? La dame a raison. Nous ne devons pas rester ici à nous disputer. Venez, dépêchez-vous de sortir d'ici. Oh, une dernière chose. Tenez, prenez ça. Je l'ai arraché au gros type qui a un rire bizarre. Ah, bien joué, bien joué. La clé d'amiral. Bien joué, mon petit. On compte sur vous. Surtout, sauvez Olaïcha, d'accord? Bah, ton avis, on vient là pourquoi. C'est le fils du chef, pas vrai? Il marche droit sur les traces de son père. Si elles ont été choisies par Agares, elles doivent maintenant se trouver sur le navire du commandant. Commandement, pardon. Je vais aller fouiller sur le navire du commandement. On se retrouve tout à l'heure. Parfait. Bon, tu caches rien? Adolf fout le corps du soldat inconscient. Le soldat ne porte rien d'intéressant sur lui. Et c'est bizarre, je sais pas, mais il a les jambes un peu coupées, le type. Oh, le pauvre. Je plains. Allez. Du coup, est-ce qu'on peut ouvrir le coffre ici? Coffre à clé, Lucie à clé d'amiral, mais n'entre pas dans le serrure. C'est pas la bonne clé. D'accord. Pour le coup, on va aller dans l'autre navire où se trouvent éventuellement Ola et Isha. Je l'espère fort bien. Allez, on y va. De toute façon, il n'y a qu'une porte, hein. Ce serait un petit peu dur de passer outre. Elle doit sûrement se trouver en bas. Un point de sauvegarde. Ça préconise un boss, ça. Je vais sauvegarder à cet emplacement parce que, bon, si jamais je suis coupé et que je dois recommencer l'épisode, je recommencerai pas en plein milieu ici.
Allez, à utiliser la clé de l'amiral. Allez, let's go. Oula. Mais c'est Radol? Oh, mais qui voilà? Oula. Mais c'est Radol. Alors ce n'est pas un rêve. Vous êtes vraiment venu à mon secours. Oh! Faites attention dans cette cage. Oula, qu'est-ce que c'est que... Ouf! Ah ouais. Lana Luna. Putain, c'est pour ça. Donc, boss. Ouais, par contre, il a une carapace bien dure, ce boss. Il m'a pas l'air super puissant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il roule. Ok. Ah. Attention. Il devient visible, mais pas totalement. On te voit très bien, mon gars. J'ai l'impression que le sol, il glisse un petit peu. Ouais. Regardez. C'est peut-être la grosse difficulté de ce boss, je sais pas. Mais il m'a pas l'air dur, quoi. Franchement, je l'enchaîne, mais sans souci. Peut-être qu'il est pas vraiment dur, mais que... Allez, si on se fait toucher, il fait vraiment mal. Peut-être ça. Allez. Bien faire attention. Wouah! Putain, je me suis pas fait toucher. Chance que j'ai eu. Oula. Il fait mal, en effet. Il fait très mal. On peut s'approcher de lui, on peut aller sous lui sans subir de dégâts, quoi. C'est un peu pété, ça, je trouve. Ah, franchement, pas un boss dur, j'ai l'impression. Il résiste bien, par contre, ça. Oula. Attention. Bah, t'es que... L'émulateur qui a un peu du mal avec tout ce qu'il y a à l'écran. Ah! Merde! Ouais, pas vraiment dur, j'ai l'impression quand même. Il n'y a pas beaucoup de patterns. C'est dur, c'est vraiment dur avec son houle. Passe, voilà. Ah, oh, encore ça toque. Ça fait laguer l'émulateur. Bon, j'évite peut-être de m'approcher un peu trop de lui. Glisse pas là-bas. Tout ce que je te demande. Non, t'es vraiment pas dur, mon gars. Tu veux peut-être mal, mais t'as vraiment pas beaucoup de patterns. Et t'es facile à esquiver. Oula. Ok, j'ai rien dit, ça va. Oh là, comment il slide. Il slide pire que Luigi. Là, commence à bondir dans tous les sens là. Allez, dépêche.
Ouais, là, on t'a fait bien mal. Bon, arrête de tourner, je veux m'approcher de toi. Allez. Un critique dans la face. Critique in your face. Ouais. Par contre, je vais attendre ici avant de me lancer sur lui. Enfin, quoique, je peux. Parce que, ouais, ces merdes, elles font quand même beaucoup de dégâts. Un boss long, mais vraiment pas dur. Ouais. On m'a franchement habitué à pire que ça. C'est vraiment limite le boss le plus facile du jeu, ça. Eh. Vraiment un boss tout bidon. Putain, dire que je galère à plein de boss et ici, ça va quoi. Non mais regardez, je défonce là. Oh, tu m'as eu. Oh, quel terrible, c'est terrible. Et allez, on l'attend encore. Oh. Non. C'est plus un boss relou à attendre qu'autre chose, quoi, j'ai l'impression. Allez, dépêche. Ouais, t'es presque mort. Allez. Allez, on lance ça. Merde, fail. Et voilà, parfait. Putain, il est bidon, mais bidon ce boss. Bidon. Messire Adol, merci. Merci beaucoup. Vous avez même secouru Uré et autres. Je ne sais comment vous remercier. Mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Olaf vient se blottir contre la poitrine d'Adol. Mon, c'est mignon. Oh, Messire Adol. Isha, il l'a emporté ailleurs. Lorsque ces personnes ont attaqué le village, je n'ai rien pu faire pour les arrêter. Même mon oncle a été terrassé. Et je n'ai pu que regarder. Je n'ai plus le droit d'être une prêtresse. Ah, vous êtes bien ici, en fait. Mauvaise nouvelle, Adol. Qu'est-ce que tu fais dans les bras d'une autre fille comme ça? Ah, la grande jalouse. Oh, ce n'est pas de la faute de Messire Adol. J'avais juste besoin de réconfort. Donc, je suppose que vous êtes Ola. Oui. Il devait être Dame Terra. Messire Adol m'a parlé de vous. Je ne saurais vous remercier assez d'être venu à notre secours. Comment peut-elle être aussi belle? N'y pensons plus. Pas mal. Vous voulez attendre ici jusqu'à ce qu'ils reviennent nous tuer? Allez, fichons le camp d'ici. Cette ordure d'amiral est revenue du banquet. Ils font qu'on sort d'ici, maintenant. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Oh oh. Bon sang. Ainsi, vous croyez pouvoir entrer ici à votre guise et dérober mon cadeau de l'empereur. Honte à vous! Vous tentiez de me dérober mes favorites. Je vous souhaite d'être prêt à mourir. Elisabeth! Ah, c'est ça, Elisabeth? Putain. Oh non, qu'avez-vous fait? Ma tendre Elisabeth. Ah, c'était ça, Elisabeth? Oh mon Dieu. Nous avons toujours été ensemble depuis notre rencontre au cœur de la froc la plus noire. C'est vous qui avez fait ça, hein? Impardonnable, préparez-vous à mourir. Soldats, tuez-les tous! Mince, on dirait que j'arrive après la fête. Qui êtes-vous, vous? Trop lent. Oh! Quoi? Hé, mon pote, alors où est-il? Il? Ce fumier d'Ernst dont tu as osé faire ton commandant. Où est-il? Sur ce navire? Il est parti chasser les derniers sous-hommes avec une escouade. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais il a emporté la fille à la peau d'ivoire.
Quoi ? Pourquoi l'a-t-il emporté ? Bon sang, il prépare un mauvais coup. Allez maintenant, je vous ai dit tout ce que je savais. Relâchez-moi, par pitié. Je vous donnerai tout l'or que vous voulez. Ferme ton gros capelet, je n'ai plus besoin de toi. Bam ! In your face ! Bien, bien joué. Tu restes dormir ici, comme les autres. Ah, lâche. Ouh, la bonne ambiance, j'adore. Attendez un peu. Qui croyez-vous être pour sortir de nulle part comme ça ? Isha, cet enfant, où l'a-t-il emporté ? Écoutez, l'heure n'est plus aux longues explications. Ces satanés soldats romains sont à notre recherche en ce moment même. Alors, Kolstein, prenez les filles avec vous et fichez le camp d'ici. Qu'est-ce qui lui prend, là ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Messire Adol Tamtera, nous devons nous hâter de sortir d'ici. Et votre sœur ? Ça ne nous avancera à rien de traîner ici. Nous ne pourrons la retrouver si nous sommes nouveau faits captifs. C'est pas faux. Allez Adol, allons-y, vite. Oui, parfait. Du coup, on les tient avec nous. Et ben voilà. Apparemment, Ernst, ce fameux Ernst, aurait pris Isha en otage et serait allé quelque part avec elle. Ça n'inaugure vraiment rien de bon tout ça. Du coup. Allez. Aïe aïe aïe. Donc on va essayer de récupérer ce qu'il y a dans les coffres. Pas partir sans rien. À mon avis, il y a des loot assez intéressants à gagner. Pas ici. Oh, merde. Si je prends trop de dégâts, je pense que je fouillerai. Hein. Ah, voilà. Ah, elle ne rentre pas. Ah, merde. Ah oui, mais il faut... Il faut fouiller les corps, c'est vrai. Ah, vous savez quoi, au pire... Je vais quitter le navire, voilà. C'est pas très intéressant. C'est un peu d'annexe. Je pense pas qu'on puisse revenir ici, mais bon, tant pis. Ah, merde. Il y a quelqu'un qui est mort. Fuck. Ouais, je pense que à rester ici, ça empirera plus qu'autre chose. Allez, venez. Qu'est-ce qu'elle fout ? Voilà, mais vous êtes là. Allez, venez. Tiens, tous les cadavres. Pas mal. Allez, venez. Alors, je vais attendre, je vais charger mon arme au maximum. J'espère que cet épisode vous plaît parce que bon, ça commence vraiment tout doucement à devenir bien épique, tout ça. Les événements commencent à s'enchaîner. Ernst, on sait pas tellement qui c'est. On parle beaucoup de lui, qu'il serait vraiment surpuissant, tout ça, mais on ne le connaît pas vraiment, hein, pas plus que ça. Et donc, ouais, on va vraiment avancer et faire péter toutes les révélations. Allez. J'ai utilisé le mauvais bouton, oui, je sais. Quel con. Ne mourrez pas. Parfait. Bon, j'aurais encore pu monter de niveau, mais bon. C'est parce que j'ai quand même deux compagnons ici. Je vais pas me risquer. Yahoo, on s'en est sorti. Dépêchons-nous vite d'aller retrouver mon vieux. Oui. Écoutez, ne soyez pas si dur avec vous-même. Le commandant de l'armée romune a emmené votre petite sœur quelque part, c'est ça ? Bien, mon vieux sait bien des choses sur tout ce qu'il se passe ici. On verra bien ce qu'il aura à nous dire.
Sanctuaire de Zaneth. Oh Alma, peut-être devrais-je dire à notre première rencontre que c'est notre première rencontre depuis longtemps. Et le voici, Ernst. J'aurais tant aimé vous connaître lorsque vous étiez encore en vie, madame. Ah, ma sœur. Ah, ma sœur. Hé, oh, héritière des ailes, vous pouvez reposer en paix maintenant. Seigneur Ernst, nous vous attendions. Ah, c'est vous. Seigneur Ernst, ça faisait longtemps. Je suis si seul sans vous. Veuillez nous excuser pour ce retard. Je suis fort gêné. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien travaillé. Je suis heureux de vous avoir donné la vie. Oh, Seigneur Ernst, nous ne méritons pas de telles louanges. Hé. Et à ce propos, qu'est devenu de cet homme? J'ai cru comprendre qu'il s'était mêlé de nos affaires en vous créant quelques difficultés. Dans le cas du Seigneur Guess, c'est évidemment vrai. Toutefois, un autre inconnu des plus inattendus s'est dressé sur notre chemin. Un spadassin à d'éclatantes chevelures rouges dénommé Adol, je crois. Il a tué le monstre que j'ai mis si longtemps à éveiller. Et mon serviteur également. En outre, il détient désormais les trois clés. Adol le Rouge. Je vois, ce n'est pas étonnant qu'il vous pose des difficultés. Seigneur Ernst, vous le connaissez? Oui, mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Ainsi, il a non seulement survécu, mais il est également parvenu à se procurer les trois clés. Cela devrait s'avérer plutôt divertissant. Avant d'aller voir Adol, vous ne voulez pas vous amuser un peu avec nous? Oh, vous! Ah, on m'appelle Doggy, le broyeur de mur. Vous voulez vous faire écraser pour voir? Ah, un nom des plus opportun pour un pirate. Pirate? Eh, doucement, j'ai pas le souvenir d'avoir juré allégeance à votre clan. Je vous accompagne pour m'amuser, c'est tout. Ainsi, je suppose que vous êtes l'infâme Ladoc le Borgne. Jamais je n'aurais cru que vous auriez survécu après avoir été englouti par le Grand Vortex. Vous êtes assez remarquable vous-même. La manière dont vous avez encerclé mon navire était réellement un coup de génie. Je suis ravi d'entendre de tels compliments. À ce propos, qu'est-il arrivé à mes clans, à mes troupes dehors? Hé, ils font tous une petite sieste. En fait, Zelle de dernier encore debout. J'ai été stupide de croire que ces crétins pourraient faire quelque chose correctement. Néanmoins, cet amiral incompétent et ses cohortes d'ânes bâtés ont rempli leur mission. En vérité, vous m'avez évité le tracas d'avoir à m'occuper de moi-même. Des paroles décidément intéressantes, mais quoi que vous complotiez, je ne permettrai pas d'impliquer une enfant. Ça, c'est bien vrai. Envoyez la petite dame par ici. Qui sont ces idiots? Comment osez-vous défier le seigneur Ernst avec votre faciès répugnant? Seigneur Ernst, laissez-nous nous occuper d'eux. Non, ces hommes méritent notre respect. Si vous étiez héritier de la clé, il en serait autrement. Mais je n'ai guère le temps de jouer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un tour des plus impressionnants. Et nul besoin de prendre d'héroïques poses défensives. Cette épée est destinée à cette dame, ici. Et qu'est-ce que vous croyez faire là? C'est peut-être qu'une statue en pierre, mais ça se fait pas de frapper une dame. Ah, ce n'est pas une statue en pierre. C'est une coquille faite des mélasses blancs, qui est restée ici lorsque la déesse s'est sublimée. Il s'agit de la dernière pierre angulaire empêchant l'ouverture de l'arche, mais plus pour longtemps. Et merde. Ça n'augure rien de bon. Ha. Regardez, pirate. La sagesse ancestrale oubliée par les êtres ailés, celle qui contrôle l'océan. Contemplez la renaissance de l'arche de Napishtim.
La musique, les gars, la musique. C'est plus grave que je ne le pensais. Lorsque Ernst a invoqué l'arche, le grand vortex s'est réapparu. En plus de cela, la créature qui a anéanti la flotte des Romaines semble rôder autour de l'arche. Si nous nous approchons d'elle, nous subirons le même sort. Ainsi tout joue contre nous. Bon sang, mais que devons-nous faire? C'est exactement pour cette raison qu'on est venu ici. Il faut qu'on trouve une solution. Dommage que les Reda ne soient pas ici pour nous aider. Adol, désolé mon pote, j'ai pas pu vous ramener la petite dame. Bon sang, on est des durs. J'arrive pas à croire qu'on ait tous échoué comme ça. Calmez-vous, nous ne pouvons rien faire. C'est même un miracle que nous ayons pu quitter l'île de Zemet avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même. Quant à Ernst, il semblerait qu'il soit plus dangereux que nous l'y aurons cru. Cette immense épée noire, la statue en miettes, cette énorme créature, l'arche de Napishtheim. Il semble pouvoir... Il semble pouvoir manipuler tous ces éléments à sa guise. Il n'a rien d'un soldat romain ordinaire, c'est certain, sans deck. D'où a-t-il bien pu sortir? Ainsi, vous voilà. Ah, le vieux rabat. Merci d'avoir soigné les blessés. Professeur Rabat, comment va cet oponiatre chef Horte? Eh bien, ses plaies se sont refermées. Damola est rentrée au village et j'ai donc décidé de lui confier les soins. Il semblerait que des événements surprenants se soient produits ici. Pourriez-vous m'en dire davantage? En effet, nous aurions bien besoin de votre sagesse. Vous avez fait un travail remarquable en permettant aux Reda captifs de s'évader du navire romain. Le chef Horde vous en est très reconnaissant. Et bien sûr, Heur est mon précieux apprenti. Permettez-moi de vous remercier du fond du cœur. Pour moi, ce commandant romain est une vraie menace. À mon avis, il en sait trop pour un type qui vient de cette île, tu sais. Il doit être en train de comploter quelque chose. Sans plaque. Elle est au bio, celle, quand même. Cette immense épée noire que possédait le commandant romain. Sans aucun doute, elle contient un pouvoir immense. Ces trois épées des masses sont peut-être les seules armes qui puissent lui résister. Peut-être. Les rumeurs disent que l'amiral Agares faisait montre d'une perversion spectaculaire, même pour un Romain. En tout cas, vu que la flotte a été anéantie, je ne vois pas comment il aurait pu survivre. Bah, tant mieux s'il est mort. On a berné les soldats romains, puis on a fui vers Zemet sur la chaloupe qui était amarré au navire pirate. On a essayé de sauver la petite dame, mais les ruines se sont effondrées et ça a bloqué le chemin. Bon sang. On aurait presque pu la sauver en plus. Ah, c'est dommage si... Nous avions effectivement supposé que quelque chose sur l'île Zemet était à l'origine du Grand Vortex. Toutefois, ce colossal édifice pourrait-il être quelque chose? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, bon, d'abord on va quand même se faire un stock de soins. Et puis on va vraiment se laisser là. Je pense qu'on a assez vu de choses pour cet épisode. Oula. Quel émulateur qui bug. Ouais. Et ben, il s'en est passé des choses encore une fois.
Ernst a vraiment fait vraiment ce qu'il voulait. L'archer est là, la créature est là. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Énormément. Et du coup, on va se laisser là. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'était Ultima Epon. Merci d'avoir regardé cet épisode et ciao, bye bye.